¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿No te has identificado? Interpol. Tócame los huevos y te crucifico. Une fois n'est pas coutume, on termine avec un petit tour du reste de l'actualité, avec tout plein de films qui ne nous ont pas convaincus, mais dont nous avons décidé de vous présenter les quelques qualités. Nos vamos. Bomba! On attaque avec Insiders, Escape Plan. Film de casse espagnol cheap et mollasson, mais qui transpire l'amour du film noir. My name is Rose McNulty. I did not kill my child. On enchaîne avec Le Testament caché, thriller romantique cousu de fil blanc. When I met Michael McNulty, I knew I would wait for him forever. Mais qui, le temps de quelques séquences, nous rappelle que le trop rare Jim Sheridan sait être un cinéaste frontal et poignant. Anything you see with love is the truth. No one attempts the impossible without belief in something greater than themselves. I'll be giving you over 300 shots in the next few weeks. With what? Avant de redorer son blason avec les prochains Avatar, Sam Worthington est encore allé se fourvoyer dans un direct ou DVD ultra bis avec Titan, qui, s'il avait été un bon film, aurait eu le potentiel de planter un vrai beau personnage de monstre tragique. What the hell is that? I don't know. Something's not right. Gear up. You can shoot. What do you think? Draven, qui voit Jason Momoa défendre sa famille contre des trafiquants de drogue, fait très fortement penser à Commando. Le caractère déviant, l'énergie et la générosité dans l'action en moins. No more family. Bye, Dad. Careful crossing the street. Et puis, parce que Jackie Chan y assume totalement son âge, open it up. Somebody say a prayer for me. Éprouve une nouvelle fois qu'il est aussi un excellent acteur dramatique. You would tell me the names of the bombers. Signalons la disponibilité de The Foreigner en DVD et Blu-ray. Tell me who killed my child. But I work for the government. I do not work for terrorists. You used to work for them. Somebody say a prayer for me. Voilà, le grand frisson, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour résumer, le cinéma espagnol prouve de nouveau sa grande vitalité avec le surprenant Abracadabra et l'émouvant La jeune fille et la brume. Parce que nous n'avons que trop peu souvent l'occasion de saluer le courage des grands studios américains, on se doit de reconnaître le caractère iconoclaste de Red Sparrow. Pour quelques séquences d'action, The Villainess peut en contenter certains. Et puis, révisez vos classiques du cinéma de genre avec la ressortie des Seijun Suzuki. On se retrouve dans deux semaines avec un brouillard mortel et un cinéaste immortel.